toutes, bonjour à tous. Je souhaite revenir aujourd'hui vers vous pour une vidéo particulière relative à la période que nous sommes en train d'enclencher, qui va durer 2 jours, mais qui est une période de transition qui m'est apparue comme essentielle. Donc le besoin pour moi de revenir vers vous pour faire un point quant à ce que vous devez conscientiser, si tel en est votre besoin et si le besoin vous apparaît, bien évidemment, quant à conscientiser et faire un point sur ce que vous aviez prévu de faire pour l'année 2019. Je m'explique. À chaque début d'année, nous émettons des vœux, des souhaits, des envies, des projets que nous faisons aboutir tout ou partie ou que nous laissons de côté. Juste avant d'enclencher l'équinoxe de printemps, nous sommes amenés à faire un gros ménage dans nos vies, dans la logique. Nous avons tendance à appeler ça, sur le mode un petit peu clin d'œil, le nettoyage de printemps. Ça va être aussi bien dans les foyers que dans nos vies. Et puis se passe l'été. Et puis nous arrivons à l'équinoxe d'automne où nous commençons à nous intérioriser en prévision de l'hiver qui s'annonce. Pas forcément un hiver glacial, mais en prévision de l'hiver où nous allons nous intérioriser plus dans notre foyer ou dans nos foyers. Sauf que, avant d'enclencher l'équinoxe d'automne, qui cette année se fait le 23 septembre, je reviendrai vers vous dans les jours qui viennent, voire aujourd'hui même, pour vous parler un petit peu de cet équinoxe d'automne. Avant que ne s'enclenche cet équinoxe d'automne, il y a un court laps de temps, 1-2 jours généralement, tout dépend si nous arrivons en année bissextile ou non, 2020 étant une année bissextile, cette année l'automne s'enclenche le 23 septembre. La période du 21 septembre, jour de la Saint-Mathieu, au 22 ou 23 septembre est une période particulière où nous sommes amenés, nous sommes encouragés, l'intérêt de cette vidéo aujourd'hui, à faire un point sur ce que nous avions prévu en début d'année, que nous avons fait mais qui n'est pas forcément encore totalement abouti, ce que nous avions prévu en début d'année que nous avons laissé de côté ou reporté au calendrier grec, pour voir comment nous pouvons mener tout ceci à bon port avant la fin de l'année, si nous ne nous envoyons pas dans le mur, si nous nous envoyons dans le mur, si... voir un petit peu, faire un point. Comme un nettoyage d'automne, quelque part. Le pendant du nettoyage de printemps fait à l'équinoxe de printemps. Autrement dit, dans vos foyers, préparez-vous à vivre plus chaleureusement parce que vous allez nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer de cet été pour enclencher l'hiver. Préparez vos confitures, nettoyez vos chaudières, vos cheminées, etc., vos placards et commencez à regarder vos vêtements d'automne et d'hiver. Je le dis sur le mode humour, mais à peine. Mais dans vos vies, par contre, faites le point sur ce que vous avez à faire et à enclencher pour 2020. Ces 2 jours vous y encouragent. Les chamans sont habitués à ce genre de pratique. Certains de mes collègues appelleront ça un portail énergétique. J'appelle ça tout simplement un point à faire, mais ça peut effectivement être vu comme un portail énergétique. Pensez à vous. Les 2 jours qui viennent, faites le point, dès que vous en avez l'opportunité, faites le point sur ce que vous avez fait, ce que vous avez à faire. Et ne perdez pas de vue, vous avez encore 3 mois devant vous pour finir votre année en beauté. C'est une année particulière, 2019, que nous sommes en train de finaliser. Repartez du bon pied sur 2020. Belle journée, belle semaine, à très vite.